Ça? Celle-là est nickel. Ah ouais, celle-là elle est au top. Ok. Celle-là. Elle est optimisée. Les niveaux tourelle, chaud maximum. Ok. Celle-là. Je vais pas construire d'autres bâtiments. Niveau tourelle, chaud max. Celle-là, elle est pas heureuse. Ben, elle est pas malheureuse non plus. Est-ce qu'on peut résoudre ça? Ah, c'est un pôle économique ici en fait. J'avais fait plutôt un pôle économique où... En remplaçant cette maison-là, je perds 400 et je me... Ouais, mais non, ouais, pas ce problème. Si je fais ça. Non, ça. Si je fais ça et que je rajoute une maison ici. Je suis à 1 de plus, mais celle-là ne sert à rien. Et si je la remplace par une usine... Je reste à l'équilibre. Mais je gagne 400. Je gagne 400 de plus. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose que je viens de faire. Allez. Et ici, toutes les tourelles ne sont pas mises. Voilà. Ici. Les tourelles sont pas mises non plus. Donc là, c'est vraiment de la gestion un petit peu à la Alpha Centauri, hein. Donc ici, il y a, ouais, il y a des bâtiments à... toutes les toiles sont mises, ouais. Donc ici c'est pareil, c'est des villes qu'il faut attendre de... À l'occasion je peux juste les réparer, mais il faut attendre que... Que ce soit... Faut attendre quoi. Ok, là non. Par contre là les tourelles. Alors les tourelles par contre ici sont bizarres. Hein. Ok. Et ici, niveau infrastructure, ça a l'air d'être pas mal. Allez. Ici, je peux pas construire d'autres bâtiments. Non, sont sous les décombres. Et je peux encore construire des tourelles de défense. Je suis un peu duré parce que après, ça va être la phase conquête planétaire, conquête de l'espace. Je sais que. Vous êtes peut-être pressé de la voir si vous connaissez pas ce jeu, mais en fait le truc c'est que bah ça va être assez rapide d'en faire le tour, hein, et après ça va devenir assez répétitif. Et on enchaînera après sur sur le comment dire l'extension. Je pense plutôt qu'on fera ça, on va enchaîner sur l'extension. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de la. Au niveau de la gestion du truc, mais sinon... Ici, il manque des toiles. Parce que le problème, c'est que la phase galactique, après, est extrêmement répétitif. Et j'espère que l'extension résout le problème. Parce que je ne sais pas du tout l'extension. Hein. Je n'ai jamais joué avec l'extension. C'est vraiment de la découverte pour moi, hein, au niveau de l'extension. Pour le moment, je connais tout le jeu. Hein. J'y avais joué il y a un bout de temps, donc je redécouvre le jeu en fait. Mais sinon, je dois vous avouer que... Que voilà quoi. Bon, ici, niveau architecture, je pense pas que je pourrais améliorer. Bon.
Si c'est bon aussi. Bah c'est bon, j'ai fait le tour en fait. Ah, ici il manque d'étoiles. Ouais. Il en manquait une. Je refais le tour juste pour les tourelles. Ici il en manque. Ah non. Ok. Donc c'est bon. Et on peut pas construire de colonies ? Niveau des ouais. Au niveau des épices, je pense qu'on est ouais, on est au max. Bon, non, on va pas détruire notre écosystème, faut pas déconner. C'est chiant ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Ah ! Ouais, ça a pas réparé les trous, hein. Ouais bah ça c'est à moi donc c'est mort. La bombe on va éviter. Bon bah on va passer en phase civilisation. Enfin on va passer à un mode Ah c'est con parce que franchement. Non. Par contre ouais non, économie apparemment je peux pas créer d'axe économique entre les entre mes propres villes, ce qui est complètement con dans l'idée. C'est quoi ça? Oh ouais. Attendez, 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 parce que ça, ça peut être intéressant. Je suis où là? Ça, je l'avais pas vu. Mais c'est vrai qu'on peut avoir ça. Il y a par-ci et là des camps comment des tribus. Est-ce qu'on pourrait pas simplement les faire du commerce avec eux ou quelque chose comme ça? J'essaye hein. Je vous avouerai que j'avais jamais essayé. Bon, la tribu était là-bas de toute façon. Par là. Elle était par là. Non, pas par là. Elle était derrière un truc comme ça, mais... De toute façon, j'ai bientôt récupéré tous les épices. Sympa ce truc. Ça, c'est un... Ah tiens, il y a une météorite là. Bah zut, elle est passée où le camp? Puis ça s'assombrit d'un coup en plus. Bon allez, hop. Ah bah oui, d'accord, oui, il y a le cycle jour-nuit, évidemment, et... Ok.
Tiens, inoccupé. J'ai des bateaux de dispo. Y'a des pistes là les mecs. Je l'ai pas vu sur la carte. C'est quoi ça? D'accord, ok, non. Je voyais des trucs jaunes sur la map, mais en fait c'est rien. Bon, c'est con cette histoire. Bon allez, je passe en... On va passer à transition vers l'espace. Voilà. Ouais, et on est resté en militaire tout du long, résultat. Bon, bah, tant pis, hein. J'aurais bien voulu migrer vers l'économie, mais... Mais bon. Allez. Dernière phase du jeu. Ça ressemble à rien mes créatures. Hein. Et je peux plus les faire évoluer, je peux plus les changer. Voilà, notre vaisseau spatial. Oh, je vais quand même faire un truc classe. Un truc classe. Alors ça, un petit cockpit. Oh, on va reprendre le style un petit peu que j'aimais bien. Attendez, ça là, je peux l'agrandir. Non, ça va pas ce châssis là. Le châssis. Ah oui, j'ai que 10 000, hein, faut que je fasse attention. On va reprendre ça. On va reprendre ce truc là. On va reprendre un petit peu la même structure. Ceci même pas en fait, on va là, on va reprendre vraiment ça. Allez, on va faire ça comme ça. Ouais, coucher comme ça ou ouais, non, ouais, coucher. Hop. Ok, niveau propulsion. Non, ça c'est on s'en fout, ça c'est de l'attaque. Ouais, donc ça on s'en fiche. Ouais, donc on peut vraiment tout faire, mais on va rester vraiment oui, en de la soucoupe quand même. Qu'est-ce qu'on a? Yeah. Oh, j'adore. Plutôt comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Rien n'est fixé à... Le problème, c'est que mon truc n'est pas du tout fixé. Bon, ça fait rien. On va juste le monter un peu. Voilà. C'est quoi ça? Ouais, on va... Attends, je les mets juste mieux que ça. Ça pareil, je vais les mettre là. Je vais les mettre là, ces trucs-là. Et ça, contre. Ok. Ce truc-là, je peux le changer un peu. Un peu plus ouais, comme ça. Ouais, c'est bien ça. Allez, on va juste mettre des trucs d'attaque en plus. Le vaporisateur. Putain. Allez, ça c'est cool ça. Hop.
Ah oui, non, on peut... Attendez. Si je fais ça. Jauge de complexité. D'accord, ok. Alors ça c'est pour le religieux, ça c'est pour l'économique. On va mixer un peu tout, hein. On va mixer un peu tout. Donc ça c'est le truc. Ça c'est si tu fais chier. Si tu fais pas chier, ben on peut négocier. Genre le mec quoi. T'as le truc bling bling en plus quoi. Ça c'est énorme. Ça. Les méga trucs bling bling. Donc ça. Parce qu'on va essentiellement jouer ça. On va essentiellement jouer soit économique, soit. Soit. Attendez. Non, ça. On s'en fiche. Ouais, parce que j'ai compris pour la jauge. J'ai compris pour la jauge de complexité. Ce qui vous sépare du vide intersidéral, 2 mètres de pur style. Ok, d'accord. Je mettrais bien un truc sur le dessus quand même. Pas ce truc là. Mais... Genre si je mets ça, ça... Ça peut potentiellement faire comme si ça gênait. Ouais non, ça gênera pas les missiles. Genre voilà, j'ai tout quoi. J'ai le parloir pour parler. J'ai tout ce qu'il faut quoi. Ouais non. C'est idiot. Oh c'est idiot. C'est idiot ce truc là, je veux dire. Ce truc là aussi c'est idiot mais ça me fait marrer. Donc Ouais non, non, c'est trop con ça. Allez, on va passer aux couleurs, hein, de toute façon. On va juste rajouter d'autres trucs là. Ah bah non, il y a devant aussi. Devant, je peux mettre quelque chose ou... Ouais non. Ah oui si, ça fait genre phare. Ouais si, genre ça fait phare, ça me fait marrer. Ouais si si, c'est cool ça. Allez, on va passer aux couleurs. Juste histoire qu'on a une classe. Un peu encore ce genre steampunk là, un petit peu comme j'avais avant. Ça. Ouais, ça j'aime bien franchement. On va juste améliorer le... Voilà, ce truc-là, on va mettre en... Non, j'ai pris quoi? J'avais pris ça, je crois. Plus clair. Ouais. Ou ça, peut-être. Ouais, non, ça se fond trop. Non, le bleu clair, là, j'aime bien, là. Ça donne vraiment un style. Franchement, j'adore la gueule de ce truc-là. Juste, il y a peut-être... est-ce que ça... Non, 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 non. Annule, annule. C'est laid, ça. Bah, si, il y a ça. Ça... non, non, non. Note, 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 note. Alors, pas dans l'idée, si, mais pas cette forme-là, en fait. Peut-être plus celle-là. Et pas forcément du jaune. Ouais, non, non, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est moche. Ça par contre ça a l'air plus cool. Peut-être pas cette couleur là en fait. Peut-être plus un bleu nuit. C'est pas stylé. Non non non, on s'éloigne du truc. Allez, hop, hop. Peut-être plus dans cette couleur là.
Ouais, non, non, non. Ouais, je sais, je suis chiant. Ouais, non, je vais avoir un truc classe, quoi. Ça va être la dernière partie du jeu, on va le seul bouffer jusqu'à la fin de la série, ce vaisseau. Donc, y a ça, ça c'est cool, ça. Ça donne quoi, ça? Ça donne que c'est affreux, peut-être en plus sombre. En plus sombre, ça rend un peu mieux. En plus sombre, ça rend un peu mieux. Ouais, des petites touches comme ça, ça me paraît bien. Non, pas ça. Peut-être plus ça. Ouais, comme ça. Ah oh, non, oh, je sais pas. Oh non, les strils comme ça, non, finalement, non. Allez, hop. Écoutez, je pense qu'on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Allez, hop, c'est parti. Alors, nommez la soucoupe. Je sais pas comment on peut l'appeler. Attendez, juste une seconde. Je l'appellerais bien The Voyagers, mais il a pas du tout la même gueule, donc Ah, allez, le Zedwin, une référence au X-Wing de Star Wars, bêtement. Le Zedwin, ça fait référence au X-Wing, aux X-Wings de... Non, c'est ça, hein, X-Wings, on dit, hein, le vaisseau de Star Wars. C'est soit ça, soit je prends un truc dans le... qu'il y a dans Star Trek. Je vous dis The Voyagers, ça me plairait bien, mais non, ça n'a pas la même gueule du tout. Remarque, ça ressemble pas du tout à X-Wing non plus. Ah si, c'est comment dans dans Stargate, le vaisseau hybride qui construisent là dans les dernières saisons dans SG1. Ouais non. Bon allez, Zedwin, allez, c'est bon. On va l'appeler Zedwin. Ça me convient, allez, hop. Dieu galactique. Faites évoluer votre créature face cellule à face espace. D'accord, ok. Ouais. Qui sait pas du tout comment ça tient en l'air, mais ça tient en l'air. Nommez votre capitaine. MDJ de Normandie, évidemment, c'est moi. Voilà, astronaute. Très bien. Oh, génial. Ah oui, d'accord, ok. Oui, je me souvenais plus du tout de la maniabilité, mais... D'accord, et là je décolle avec espace. Faut que j'appelle. Alors vous devrez bientôt pouvoir voyager dans l'espace, en local nous y travaillons. Vous avez déjà piloté une soucoupe, non? Bon, rien de tel qu'un vol d'essai. Toute la population, Licornus, Bectus, Erectus, j'avais oublié le nom de cette créature, de la planète MDG World, vous regarde. Alors, prêt à gagner votre galon de capitaine?
Je sais déjà piloter. Allez, je sais déjà piloter mon sac. Okay. C'est pas ça. Il peut en tout de même équiper. Prêt à quitter la planète? Ouais. Ouais, allez. Sortez votre bouton en latex. Vous allez faire un grand voyage. Nous ne sommes peut-être pas seuls dans cette galaxie. Nous avons capté d'étranges signaux radio en provenance de la planète Egori, qui gravite autour de l'étoile, de notre étoile mère. Allez mener l'enquête. Ok. Nous vous nommons, capitaine. Prenez le commandement. Félicitations, vous avez gagné le badge du titre capitaine. Ok, très bien. Donc il m'a dit Egori. Et pour me baisser, enfin pour descendre. Non, Eh non, j'aurais dû suivre le tutoriel. Mince. Ok, d'accord. J'ai lancé un enregistrement de... C'est très con. Je vous avouerai que je me sens un peu con. Ah d'accord, ok. Ah ouais, non, ça c'est con ça. Le radar de votre soucoupe avec quelque chose. Avec la molette de la souris. Enfin, sachant que je suis au tactile, donc c'est avec deux doigts que je peux zoomer, dézoomer. Ok. C'est une soucoupe écrasée. Et elle émet un étrange signal radio. Voyez ce que vous pouvez utiliser votre scanner pour enquêter sur l'accident. Ok, alors par contre ça... non, ça c'est la plus mauvaise idée qui puisse être. Oh putain, j'aurais dû suivre le tutoriel. Je peux pas faire pivoter la caméra? Ah d'accord, l'analyse, ok. Des étrangers et là sans vie, il semble qu'ils aient laissé une carte secrète. Attendez, l'épave a déclenché un rayon capture des objets montent à bord. Oh, c'est pas mal. Alors ça, non, ça c'est nouveau. Hein. Parce que d'habitude, les... Ah, je me souviens plus s'il y avait des trucs comme ça. Des missiles et un moteur interstellaire. Il semble avoir des coordonnées d'étoiles préprogrammées.
Et à en juger par l'état de l'épave, il y a eu combat. Cette soucoupe a dû être envoyée pour chercher de l'aide. Ok. Petit missile à proton. Je sais pas combien j'en ai. Mais bon. Bon. On peut, si je dis pas de bêtises, y mettre des colonies. Non? Pas encore en fait. Ok. Ok, bon. Donc là, j'ai fait ma première mission. Alberia, mais c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as pas dit Alberia, tu m'as dit l'autre là. Egori. Alberia, mais c'est. Le moteur insté stylaire, toi. Ah d'accord, ok, bon, allez, on va continuer, ok. On va continuer sur cette lancée alors. Donc là c'est là Eberi ou... Non c'est Albaria c'est ça? Bah c'est ça. Elle dit quelque chose. Ok, une ville complètement rasée visiblement. Trop tard, ces ruines sont sans doute les seuls vestiges de la colonie des étrangers. L'incident, l'analyse des ruines nous donnera peut-être un indice quant à ce qui est arrivé ici. L'analyse n'a rien avéré, mais apparemment, on cherche à vous répondre. Le radar indique une forme d'activité. L'analyse a activé les défenses de la colonie. Ces drones n'ont rien d'amical, dirait-on. Attendez, un message arrive. Nous, les Grox, indésirables, doivent être éliminés. Nous ne sommes pas des Drox. Nous ne sommes pas des Drox. Ok. Ça semble hostile. Bon, ben... Pas terrible, hein, cette première... Première approche. Pas terrible cette histoire alors. Bon, et ben on retourne à la maison, résultat.
Votre SETI a reçu d'étranges signaux radio en provenance de cette étoile. Allez voir ça de plus près. Bah, c'est pas ma maison, ça. Bah, si, c'est ma maison, ça. Bon, alors je vous lis au cas où ouais, normalement en plein écran vous devez lire hein, mais bon, je vous lis, c'est plus agréable. Mission accomplie. Nous savions que nous n'étions pas seuls dans la galaxie. Des restes d'une civilisation disparue, des drones ennemis, les Grox. Il est évident que nous devons continuer à explorer la galaxie et même à nous préparer à des hostilités. Pour cela, nous aurons besoin des colonies qui serviront de base de lancement. Nos scientifiques étudient déjà le moteur interstellaire pour en copier certaines trouvailles. Excusez-moi. Certaines trouvailles. Nous avons également mis au point un détecteur SETI qui permettra à votre soucoupe de détecter les signaux en provenance d'autres formes de vie intelligente de la galaxie. Ces signaux apparaissent sous forme d'ondes radio à côté des étoiles que vous visitez. C'est vous qu'il nous faut aux commandes du programme spatial, capitaine. Ça marche. Nous devons étendre notre empire et notre richesse en établissant des colonies et d'autres planètes pour exploiter les ressources. Nous avons une liste de volontaires prêts à accompagner l'outil Colonie Express, disponible parmi vos outils colonisation. Voilà, c'est cool ça. Nos astronomes observent les cieux depuis longtemps et estiment que la planète Fribeda conviendrait parfaitement. Ok. Parfait, implanter une colonie, c'est facile. Allez d'abord jusqu'à la place Fedora, sélectionnez l'outil ajouté à votre outillage de colonisation et posez la colonie sur la terre ferme près d'un gisement d'épices. Il se déploiera instantanément pour créer une colonie. Pas besoin de le monter vous-même. C'est cool. C'est mieux qu'IKEA, dis donc. Établissez ensuite le contact avec vos colons pour vous assurer que leur installation s'est bien passée. Encore autre chose. Tu me répares. Merci. Et niveau commerce. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, j'ai 100 000 et les épices me permettent. Donc ça, c'est quoi? C'est Colonie Express. D'accord, ok. Donc c'est ça. Donc après, il faut que je me rachète les colonies. C'est con. Faut que je rachète les colonies. Bon. Donc au revoir. Donc ils disent... Bon, c'est pas ici visiblement. Ah ouais, non, c'est pas la porte à côté, les mecs. Les planètes sur les orbites vertes sont plus faciles à terraformer que les colonies sur les orbites rouges et bleues. Ok, d'accord. Donc vert c'est cool, bleu c'est moins cool et rouge c'est pas cool. Ok, d'accord. Bah dis donc, ça a pas l'air cool pourtant hein, comme planète. Ouais, si y a... Enfin, ouais, faut voir. On va se mettre là sur... Oh ouais, là il y a une... Oh ouais non, là il y a une belle plaine là. Allez, on va mettre ça là. Ça, ça a l'air cool. Yeah. Félicitations, vous avez étendu votre empire, la productivité de chaque colonie est fonction de sa taille
et sa taille est fonction de l'indice T de la planète. Commencez par terraformer, puis ajoutez des colonies et des bâtiments pour tirer des meilleurs bénéfices. Ok, d'accord. Donc là, on va... Voilà, donc déjà là, on va pouvoir créer... Indice T trop bas. D'accord, ok. Donc là, il faut passer aux outils de terraformage. Mais je n'ai rien. Mais par contre, les colos sont bien là. Ok. Donc pour le moment, voilà, on a une colonie qui est bien partie, enfin qui est en train de partir, mais l'indice T de la planète, rendez-vous chez nous. Donc là, il nous demande de rentrer chez nous. Donc, ah d'accord, j'ai le suivi des missions, carrément. Ok, d'accord, tout va bien alors. Bon, bah c'est là qu'il va nous donner les outils de terraformage, mais c'est pareil, c'est du business, c'est du budget. Donc, et ben, c'est parti, hein, on retourne chez nous, on retourne à la maison. Alors juste, donc là vous voyez, il y a un soleil, il y a trois planètes dessus, il peut y en avoir plus. Là, chaque point représente un soleil. Oui, chaque point représente un soleil. Voilà. Tu n'as pas fini. Donc, bah c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. C'est le problème, c'est que là, le jeu, quand tu te dis j'aimerais tout explorer, et bah, voilà quoi, t'es tout de suite freiné quoi. Hein. Tu te dis, bah non. Bon, une fois encore, excellent travail capitaine. Un jour, notre empire dominera la galaxie. Nous comptons sur vous pour visiter souvent cette colonie pour en ramener l'épice qu'elle produit. Nos scientifiques mettent au point de nouvelles technologies pour relever l'indice des planètes, ce qui un jour permettra d'améliorer les conditions de vie sur notre nouvelle planète coloniale. D'ici là, nous avons d'autres affaires urgentes à régler. Êtes-vous prêt à continuer? Ouais, mais... Je me souvenais plus qu'il y avait des missions comme ça. Allez mener l'enquête et tenter d'établir les premiers contacts avec eux. Utilisez le détecteur SETI qui équipe votre soucoupe et trouvez-les. Acceptez-vous cette mission, bien sûr. Je peux pas, j'ai piscine. Bon allez, d'accord, traducteur universel, hein, voilà. Bon d'accord, ok, là c'est de la balade. Bon, les réparations. Bon, donc là on va juste être attentif aux étoiles où il pourrait y avoir un signal. Mais apparemment il n'y en a pas. Donc bon, je sais pas où est-ce que
On va se balader un peu plus. Alors attendez. Trouver un empire étranger. Trouver un autre empire étranger, communiquer avec lui. Vous saurez qu'il s'agit d'un espace spatial quand vous serez suffisamment proche de son étoile de base. Ok. Donc là, c'est un petit peu... petit bonheur à la chance. Je vois pas où est mon énergie. Ah, elle est là-bas. Ah, d'accord, elle est là-bas. Ok, d'accord. Bon, bah... par sec. Bon, attendez. Hop. Donc ok, donc en fait quand je passe sur une étoile, je peux savoir si elle est habitée ou non. 3 par sec, 2 par sec. Ok. Oh, puis en plus ils sont au même âge que nous apparemment. Alors, l'équation de Drake se vérifie. Nous ne sommes pas seuls et ils ont envoyé un émissaire pour vous accueillir. Vous devriez peut-être lui parler. Ouvrez votre volet de communication. Là, bêtement. Quoi, que voulez-vous? On dirait qu'une espèce... une espèce de frogue galactique chuchote à notre oreille comme s'il voulait entrer en contact avec l'Empire Gros Côte Boue. Ok, d'accord. Bon, très bien, mais écoutez, les... pelouses sont interdites. D'accord. Et nous gardons toutes les... Nous gardons tous les frisbees que nous trouvons. D'accord, ok, bon. J'appartiens au li... au... au Licornus Bectus Erectus. Je viens en paix. Putain. Il est bon que vous vous présentiez, hein, c'est un honneur, ok, très bien. Putain, le ravitaillement va me coûter cher. Diplomatie avant. Bon, parlez-moi de votre philosophie. Fort et puissant. La philosophie et la force. Seul choix possible, d'accord, donc c'est des combattants. Toutes les autres philosophies sont celles de la faiblesse, ok, d'accord, vous êtes assez fort. Poursuivre la philosophie de la force, gagneront le pouvoir. C'est fascinant, merci. Souvent les malades, nous préférons refuser. D'accord, ok. Un signe d'amitié. Bon bah 10 000. Alors, ignorez rien contre vous. Je ferai ce qu'il faut pour prouver ma valeur. Alors le problème, voilà. Ouais, ça je me souviens. Donc le problème, c'est que voilà, on va faire des missions pour eux.
Mais parfois les missions, ben, on peut faire 30 missions et ils sont toujours papotes avec nous. C'est le problème. Donc je sais pas si c'était un bug ou si c'était juste pour nous frustrer, ou si c'était juste des enfoirés, mais voilà, le truc est là. Donc estimez-vous. Prouvez-le. Allez sur la planète Tarville et faites face à tous les périls. Financièrement, vous y retrouverez. Ok. Spatial, c'est comme une partie de métier des capitaines de l'espace ou de la tactique. Téléportation. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est on va passer ça. Hop, au revoir. Voilà, et là on a une mission, donc visiter Vat Tergo pour la planète Tarville. Taville, pardon. Voler jusqu'à la constellation Roxine. Demander au directeur Bot de vous en dire plus sur la mission. Ok. Donc c'est ça. Donc on va faire déjà ça. On va tant qu'on n'aura pas ouvert un acte commercial avec eux, on n'y va pas. Ta ville. Il s'agit d'aller au Statioport et d'y découvrir l'importance des aventures de la phase espace. Vous apprenez à comprendre les aventures. Complir devant. Ok, d'accord. Accéder au magasin. D'accord, ok. Peut changer d'équipement. Oh, ça c'est cool. Ça je pouvais pas avant. On pouvait pas. À mon avis, c'est l'extension qui rajoute ça parce que j'avais jamais vu ça avant. Donc c'est plutôt cool. Ouais bon, ok. Bon, on sait que c'est là, on sait que ça existe, mais on s'en fout. Débarquer. Donc ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, c'est obligé d'être nouveau. Promotion capitaine de l'espace. Bienvenue à Vatego. Un spatioport bondé où transitent nombreux personnages intéressants. Demandez aux autochtones ce qu'ils savent sur les aventures et comment devenir une légende de capitaine spatial. Putain la vache, ta race! Mais c'est génial! Mais c'est génial ce truc! Et moi-même, ça m'heureux de vous accueillir, capitaine. Vous souhaitez devenir un grand. Vous avez frappé à la bonne porte. Okay. Mais je vous en prie, visitez d'abord les lieux présentant en automne. L'autre gauche, le marchand présentant les nouveaux produits. Derrière moi, le voyageur spatial vous indiquera les costumes interstellaires pour obtenir de nouvelles instructions. Les coutumes interstellaires pour un. Et comment quitter une aventure en cas d'échec inattendu. À votre droite, l'intendant vous indiquera les besoins de notre équipage sur la planète et ailleurs. Voilà. Mais c'est génial! Putain! Ça n'existait pas. Ça, c'est l'extension qui rajoute ça parce que j'ai jamais vu ça. On peut se balader directement.
Putain, mais je peux contrôler mon personnage et il fait voler, donc c'est génial! Mais c'est super! Oh, je kiffe. Là, non. Là, je kiffe. Là, je vous dis, je suis sur le cul. Putain, mais c'est énorme! Je suis un robot, exécutez mes ordres. Je suis un robot, exécutez mes ordres. Non, c'est plutôt l'inverse. Putain, l'attendant. Attends, Schnuffle, à votre service, ok, d'accord. J'appelle de mon sans mon équipier, j'imagine que vous voulez savoir comment en trouver, pas vrai? C'est assez facile, si vous avez du charisme comme moi. C'est vrai qu'il a la classe. Vous les recruterez par vous-même sur la planète. Pas vrai, les gars? Mais cela n'a qu'attendre grâce aux alliances conclu avec d'autres empires, vous gagnerez de nouveaux équipiers avec qui vous téléporter. Attention, toutes les aventures ne permettent pas la téléportation avec votre équipage. Si votre équipage sera la même une aventure à l'autre, il vous suffit pour cela de rester en bon terme avec vos alliés, et voilà, compris? Bien, ok. D'accord, donc ça c'est une explication du gameplay. Mais c'est génial, putain, je kiffe, sérieux. Marchand. Putain, il ressemble à... dans Star Wars, sur Tatooine. Ah, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom du l'extraterrestre, mais... faudrait que je revoie Star Wars, franchement. Chakita. 32 morceaux d'accessoires, ok, d'accord. Là, vous devez procéder. Ok, donc. Ouais, mais comment je négocie avec toi, mec? Ouais, non, ok. Donc on peut... Donc on a encore le vieux système. Ok, d'accord. Donc il reste plus que lui. Oh, c'est la classe ce truc. Kumbaya. Ok, d'accord. Plus sympathique, notre d'un ami voyageur. Ma soucoupe est tombée en panne sèche, du coup, voilà, piégé ici. La prochaine fois que consultez un autre empire, ils sont tous les missions pour vous la plupart. D'accord, en plus il y a un truc dans... D'accord, ok, faut pour s'inscrire en plus.